Et salut tout le monde, c'est X-Rouge, et aujourd'hui on se retrouve pour le test de Battlefield 1 sur PlayStation 4. Édité par EA, développé par DICE, sorti officiel le 21 octobre 2016, et PEGI nous le déconseille au moins de 18. Avec la surprenante note de 18 sur 20, c'est un pari réussi pour la licence de DICE de nous avoir replongé dans la Première Guerre mondiale. On en parlera plus en détail. D'abord, la campagne. Je vous renvoie dans ce lien à une vidéo du online durant la bêta de Battlefield 1 si vous voulez voir du contenu online avec du versus fighting, parce que comme je l'ai promis dans cette précédente vidéo, ben, le test de BF1 allait se porter principalement et même totalement sur le mode solo, sur la campagne, pour vous faire part surtout des graphismes. DICE est au meilleur de sa forme vu que les éditeurs EA utilisent maintenant le moteur de Frostbite pour développer leur dernier FIFA. Je vous rappelle que FIFA 17 est graffé par le moteur de DICE qui fait des prouesses formidables. Enfin bref, le mode solo en fait vous proposera d'incarner 5 protagonistes différents avec chacun une nationalité, histoire et sexe différents. Oui, car le dernier des protagonistes est une femme que l'on incarnera. Donc avec un scénar et un cadre spatio-temporel différent. Enfin, temporel, pas exactement, vu qu'il s'agit quand même de la même époque. Nous aurons différents cadres, comme les batailles maritimes, les grandes batailles dans le désert contre l'Empire Ottoman, si l'on incarne Madame. Nous contrôlerons des chars avec le premier héros. Et ces deux autres, je ne les ai pas fait, mais bon, après, il suffit de lire pour voir à peu près où se situe la bataille et quelle sera notre mission. Du coup, on va s'attarder sur le premier héros et je vais vous parler plus brièvement durant une séance de gameplay de la toute première mission d'opening qui m'a quand même un petit peu chamboulé. C'est limite si la larme à l'œil peut arriver. Enfin, c'est un jeu qui a bien posé les bases et je suis heureux de savoir que les jeunes qui jouent au FPS pourront un petit peu comprendre l'histoire, car croyez-moi, la mission Tempête d'Acier est un hommage, vraiment, c'est un hommage aux poilus, à ces héros de la grande Première Guerre mondiale. Bref, on va en parler juste après. Je lance la mission et je vous dis à de suite. Edwards. So, Townsend, venez, vous allez adorer. On a besoin de gars en pleine forme par ici. D'accord, Timmy. Feu ! J'ai consulté votre dossier. Soyez tranquille, je suis prêt à me battre pour ma patrie. Tant que vous savez reconnaître la marche avant de la marche arrière, moi ça me va. Allez, prenez ça. Je vais vous présenter Big Bess, la femme de vos rêves. J'ai notre nouveau pilote, les gars. Finch. Edwards. C'est ta première fois ? Hey, de quoi tu parles ? Fiche-nous la paix, MacManus. T'inquiète pas, elle veillera sur toi, d'accord ? Bien, les gars. Là, c'est pour de bon. Nos ordres sont de percer la ligne allemande et de détruire au passage leur position d'artillerie. Finch, tout de suite. Continuerons d'avancer vers la ville de Cambrai, où on m'a assuré qu'il y aurait du vin, des femmes et des chansons, ce qui devrait vous plaire. Ah, MacManus. Bon Dieu, vous êtes sûr qu'il sait conduire au moins ? C'est bon, MacManus. Compris, les gars. Faites votre boulot. Veillez les uns sur les autres, et Bess veillera sur vous. Et que le Seigneur ait pitié de nos âmes.
sortira tous ensemble, pas vrai, Edwards? Oui, bien sûr. Plein gaz, pilote! Bon, alors... Bah, comme nous l'a expliqué ce petit scénario, franchement, c'est vachement scénarisé pour un Battlefield, et ça, c'est ouf. Mine de rien, du scénar, ouais, on en voyait aller brièvement sur les Battlefield Bad Company, et encore, je parle vraiment du bon vieux temps. Donc du coup, voilà, nous incarnons un pilote de char. Franchement, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai plus l'impression, enfin, on dirait un remake vidéoludique du film Fury. Vous savez, toute cette équipe qui est dans un char. Enfin, moi, ça m'y a fait vaguement penser, c'est assez sympa. Donc du coup, bon, ben voilà, le premier chapitre, on va forcément contrôler un char, ce qui est plutôt une très bonne idée de la part de Battlefield, de la part de EA, de DICE, de nous faire toucher absolument à tout, de pouvoir vraiment nous faire côtoyer tous les postes que le jeu puisse nous proposer dans le mode solo, avant de pouvoir bien s'y apparenter dans le mode online, où est-ce que là, on n'a vraiment qu'une seule chance pour faire nos preuves. Avec le solo, on peut retry. Vous allez me dire qu'on peut respawn en online, mais bon, c'est pas du tout la même, je pense que vous comprenez. Vous savez, vous voyez là où je veux en venir, en tout cas. Donc du coup, première chose que l'on peut dire, des graphes de fou, des graphismes magnifiques, franchement, ça fait plaisir. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc Paris réussi pour la Première Guerre mondiale. Je vais vous parler brièvement. Donc là, j'ai compris qu'il fallait aller capturer le point Nord. De toute façon, c'est ce qu'il faudra faire. Et puis après, le jeu va nous proposer différentes missions d'après ce que j'ai pu lire. Du coup, oui, Paris réussit parce que Battlefield, à la base, pour ceux qui ont connu les Battlefield qui partaient sur les premières et secondes guerres mondiales, on va dire que cet arc historique était plutôt... c'était plutôt la patte de Call of Duty. On a aimé les Call of 1, 2, 3 et 5 pour leur retour aux sources, en fait, pour les deux plus grandes guerres que ce monde ait connues. Et du coup, c'était un petit peu la patte à Call of Duty. Et pourquoi je dis ça? Parce que le peu de BF qu'il y a eu, bon, mis à part le 943 qui était vraiment bien, les autres n'ont pas été autant appréciés par la critique et par les vidéos, enfin par les joueurs, par le monde vidéoludique. Du coup, c'était un pari assez risqué de revenir sur un arc historique qui ne. Qu'il n'avait pas réellement un vrai public, un vrai fan. Une véritable attache de la part de leurs supporters, quoi, des pro-IA. Du coup, c'est un pari réussi parce que, déjà, de par sa note, 18 sur 20. Et puis, la première mission, l'opening, qui on incarne donc du coup un soldat qui, en fait, derrière, il y a aussi un narrateur qui nous met bien le seum, hein, croyez-moi, qui nous raconte les horreurs de cette guerre, faits qui se sont réellement passés. C'était déjà un hommage car il y a un petit message qui vous est adressé disant que ce jeu est inspiré de faits réels qui se sont passés il y a maintenant un siècle et plus. Et oui, la fameuse bataille, la fameuse guerre de 14-18, déjà 2016, enfin bon, vous allez me dire, oui, le temps passe vite, mais bon, quand on sait que l'on a étudié ça à l'école et qu'on pensait que c'était loin, il n'y a que maintenant qu'on... Quand on nous dit que c'était il y a un siècle, qu'on commence à se sentir un peu vieux, quoi, au niveau de l'histoire du monde. Après, petit point de culture générale, le monde n'a connu que même pas 300 ans de paix totale, je parle dans le monde entier. Du coup, on a toujours connu un monde qui était ravagé par la guerre, que ce soit à X endroits. Mais c'était un hommage pour cette guerre qui a fait plus de 60 millions de victimes. Et je pense que c'est un pari réussi de toucher sur la corde sensible historique des joueurs qui recherchent plus un scénar et qui vont aussi toucher une communauté de joueurs qui aiment les FPS pour leur apprendre des faits historiques. Enfin, c'est pas apprendre en jouant, je ne dis pas ça, mais c'est un bon point d'avoir une touche de culture dans un jeu vidéo. Qui puisait un FPS, parce que c'est pas généralement le style de jeu auquel on peut penser quand on veut inclure du scénar.
Du coup, voilà, comme ce n'était pas à la base le domaine de Battlefield, je trouve que c'est un pari réussi de nous faire replonger dans cette guerre mondiale. Et donc, du coup, chapeau bas. Le truc, c'est que pendant la mission de l'opening, en fait, on incarnait un soldat, donc un poilu de la Première Guerre mondiale. Et en fait, le jeu, on doit subir des vagues d'assauts d'Allemands. Et en fait, on va forcément mourir. Et dès que l'on décède, on voit le nom de notre protagoniste et ses dates d'existence, année de naissance et de mort. Et dès qu'il décède, on passe à une autre personne qui pouvait être aussi bien à côté de lui, à 20 mètres, ou sur un autre front parallèle. Et donc du coup, on devait incarner cette nouvelle personne dont on ne connaissait absolument rien. Et du coup... On devait du coup incarner de nouveaux personnages et ils mouraient eux aussi à leur tour. Tout ça pour montrer que beaucoup de gens sont morts et qu'il ne fallait pas forcément s'attacher à la personne que l'on pouvait incarner dans ce jeu vidéo, car elle allait forcément mourir. Donc du coup, une bien triste façon de nous montrer la cruauté de la guerre. Comme vous pouvez le voir avec ce char, là, je suis en train de capturer des points, donc vous avez compris que la capture de points était un des éléments du jeu. Je pense que je vais m'arrêter là et je vais un petit peu avancer dans la vidéo pour vous montrer une autre phase que je jugerais utile de vous montrer. Je vous dis à de suite. Alors du coup, là, je viens de passer un petit moment. En fait, il y a de l'infiltration dans Battlefield. Grosse nouvelle, vous allez me dire. Grosse nouveauté. Oui, donc du coup, on va de camp en camp. On est arrivé dans une jungle, en fait. Toujours avec mon équipe, avec quelques membres en moins quand même, je dois vous l'avouer, mais bon, je ne spoile pas vu que l'opening vous a montré, enfin la petite vidéo d'intro vous a montré déjà les membres de cet équipage. Du coup, mon but en fait est d'aller de camp en camp pour en fait tuer tous les soldats et laisser mon char avancer tranquillement car il a subi de lourds dégâts. Donc après voilà, je suis équipé forcément du Mauser, l'arme qui va du coup, enfin, qui est montrée même déjà sur la jaquette du jeu. C'est un petit peu un symbole, l'emblème, l'arme de poing du soldat américain. Même si vous allez me dire que c'était plutôt le Colt 1911, je ne dis pas non, mais bon, le Mauser était aussi d'actualité. Du coup, donc, de toute façon, le jeu parle de lui-même, hein, je vous montre déjà de quoi il en retourne. Et un cimetière, c'est glauque. Avec cette brume, franchement, c'est bien fait. C'est vachement bien fait. Donc là, j'ai déjà passé 3 camps. Et là, il y a déjà quelqu'un en haut. On va essayer d'aller le tuer. Oh merde, il y a quelqu'un là aussi. Bon. Allez, feu. Pouf. Le bon coup de pelle dans la jugulaire, c'est... ça calme. Voilà, une petite target jaune pour dire qu'ils se doutent de quelque chose. Ils se disent « Ah, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu du bruit. » Ça devient rouge. Et ils vous ont détecté. Ça reste rouge fixe. Ça y est, il est alerté. Il gueule. Et bref, voilà, il alerte tout le monde. Voilà, différents marqueurs d'attention de l'ennemi. Et je me jette un peu trop dans la gueule du loup. Je commence à avoir des yellow targets un peu partout autour de moi. Mais une phase d'infiltration qui est... qui n'était pas attendu dans le jeu, mais qui est pourtant la bienvenue. Franchement, c'est sympa. Au lieu de faire forcément que du bourrin, ça vous allez me dire, Battlefield, c'est toujours le monde overground, réaliste. Donc pourquoi pas de l'infiltration? Vous allez me dire, il y a de l'infiltration dans Call of, dans certains opus, alors pourquoi pas dans Battlefield, alors que Battlefield est beaucoup plus sensé pour faire ce genre de phase. Plutôt qu'un Call of qui est quand même plus arcade sur des maps plutôt petites. Enfin bref, je ne vais pas parler de la guerre entre Battlefield et Call of parce que pour moi ce sont des jeux qui ne se ressemblent pas du tout. Alors ceux qui comparent ces deux FPS, je vous dis gentiment d'aller vous faire foutre. Non, et puis honnêtement quoi, enfin je veux dire, il suffit d'ouvrir les yeux pour voir que ces jeux ne se ressemblent pas du tout. Vous allez me dire, oui forcément l'un est meilleur que l'autre, mais non, taisez-vous quand vous dites ça, putain. Non, voilà, enfin... Il y a Call of pour ceux qui aiment les jeux fun, arcade, sur des petites maps où est-ce que le skill peut jouer et que le 1 versus 6, vous pouvez l'emporter. Et sur BF où est-ce que c'est réaliste, overground, avec des grosses maps. Enfin bref,
Je vais du coup attendre que mon char arrive. Ouais, voilà, et la phase d'infiltration, je vais m'arrêter là. Pour arriver maintenant à une nouvelle phase. Vous avez vu ce petit switch record de vidéo, c'est pas beau ça. Donc du coup, entre temps, j'ai réussi à me faire... à me dégoûter une nouvelle arme. Un sniper que j'ai chopé juste dans la caisse à côté, donc il va falloir que je le teste. Ça va être sympa. Non mais voilà, du coup, comme je disais, ceux qui préfèrent Battlefield préfèrent forcément les maps overground réalistes, où est-ce que bah, le 1v1 c'est déjà chaud de l'emporter, alors 1v2 ne m'en parlez même pas. Bon, toi, j'étais tout... Oh, d'accord, ok. Je pensais que ça allait one-shot. Honte à moi. La prochaine fois, je viserai la tête. Hit marker aussi. Putain, dans le thorax, quand même. C'est dur. D'accord. Bon, j'ai du mal visé. Pour moi, il a pas pris sa balle, mais bon. Là, il y avait la fumée. C'est bon, je l'ai eu. Ouh, eh ben, dis donc. Quelque chose me dit que ça va pas être de tout repos. Enfin, bon, à la base, déjà, je plaide non coupable. Je ne suis pas sniper à la base. Et puis, je déteste les fusils à lunettes. Vous allez me dire... cherche-toi des excuses parce que t'es nul. Oui, vous avez raison, je me cherche des excuses parce que je suis une grosse merde. Bon, on va reprendre donc du coup le fusil à pompe, qui est une valeur sûre, vous allez me dire. Ah, on connaît hein, tous ces demolition men qui nous défoncent. On n'aime pas les avoir dans des couloirs trop étroits. Hein. On sait qu'on va le perdre le versus fighting à ce moment-là. Hein. Vous savez de quoi je parle. Eh mais attendez, je me fais toucher de où par qui là? Toi, alors toi, voilà, sprinter avec une arme qui possède la baïonnette, vous n'avez qu'à rentrer dans le gars et vous allez le tuer instantanément. Et ça, c'est plutôt sympa. Je m'amusais encore avec des potes sur internet à sprinter juste pour les entendre courir. Déjà parce que vous courez plus vite, donc vous parcourez de la map plus rapidement, mais aussi les petits cris qui poussent un petit peu version chivalerie pour se donner un peu le courage pour y aller avant de se prendre une grosse bastos dans la tête et que ça se transforme en une scène épique fail. C'est quand même plutôt drôle de voir ça. C'est quand même plutôt drôle. Bon, tout a été démoli. Du coup, il y a quelqu'un là-dedans. Oh, ça explose d'un peu partout. Eh bé. Les lampes qui bougent, ça c'est drôle. Personne. Bon, alors. Du coup. Mais c'est censé arriver d'où? Oh. Il y a un petit char là-bas. Il faut que j'aille réparer mon... mon tank parce qu'il est pas très bien, donc je pense que je dois... Oui, je suis forcément le poste d'ingénieur vu que j'ai ma petite clé à molette, vous allez me dire. Enfin, on reprend toute ta vie et moi je reprends du service du coup. Oh, il est sorti son char lui. Crève. Oh, la bastos dans le menton. Comme ça t'as pas pu jeter ta grenade. Bon, les renforts arrivent, on va essayer de se chercher... Bah, des munitions dans ce tent, c'est marqué sur la minimap. Donc, caisse d'armes qui pourra vous aider à reprendre des munitions ou carrément des grosses caisses où est-ce que vous avez de nouvelles armes. Allez, on va switcher avec celle-là. Une arme automatique, ouh, avec chargeur sur le dessus. On dirait une Sten verticale. C'est bizarre. Bon, allez, allons péter du Bosch. Ok, les grenades vont pas bien loin. Allez, bé, j'ai du mal. Les grenades, c'est pas encore ça. Hein. C'est vrai que le système de jet de grenade n'est pas le même. Allez, toi. Non, par contre, non, franchement, gros point positif, parce que graphiquement, franchement, il est beau. Honnêtement, ça a rien à voir avec tous les autres BF. On peut dire que ce BF est... Bon, on peut parler, enfin, de BF beau graphiquement, qui, vraiment, peuvent faire concurrence aux autres FPS. Parce que lui, vraiment, c'est abusé. L'online n'est pas dégueulasse du tout, comme je vous ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à aller voir l'autre test que j'avais fait sur la bêta pour voir ce que nous propose l'online. Heureusement que j'arrive parce que là, le char il va pas bien du tout. Voilà. Mais après je trouve ça un peu chaud quand même de réparer que le tank alors que moi je peux rien faire sur les tanks ennemis. Vous allez me dire encore si je pouvais avoir un bazooka, mais je pense pas qu'à cette époque déjà c'était... Enfin, c'est un peu bizarre. Quoi. Après, des armes semi-automatiques, autant en Première Guerre mondiale, on en a connu. Mais les grosses armes automatiques étant arrivées vers les années 1929, avec l'emblématique Kalachnikov, familièrement et grossièrement appelée par les fans Gun Game, la AK-47. Ça, c'est vrai que les soviétiques, niveau,
Oh, de la dynamite. Mais c'est trop bien ça. Voilà. Enfin, niveau armement, les soviétiques, croyez-moi, avec les américains, c'était eux un petit peu qui pesaient dans le game. Donc, je vais en poser plusieurs. J'ai posé quelques mines un petit peu partout, histoire de me faire un petit barrage d'explosifs. On va attendre que les ennemis arrivent, ça va être drôle. Non mais voilà, vous savez, les premières armes automatiques étaient arrivées. Enfin, du côté soviétique, on avait la Kalachnikov. Du côté des Américains, on avait le fameux Tommy Gun. Vers les années 1929, époque Chicago, avec la mafia, Al Capone et j'en passe. Mais oui, vous connaissez bien le Tommy Gun. Vous savez, c'est la Thompson, mais avec le chargeur, au lieu de l'avoir en barrette un petit peu poisson Findus qui part vers le bas, vous aviez un énorme chargeur camembert, le chargeur circulaire. Et bien, parce que ça avait changé de chargeur, eh bien, cette arme ne s'appelait plus Thompson, mais était familièrement appelée... Je me suis fait écraser! T'es sérieux? Voilà, c'est cette date que je vous dis, qu'on voit dans la mission de l'opening. À chaque fois qu'on perdait quelqu'un, il y avait un nom et sa date d'existence. Merde! Oh, mais faut que je finisse cette mission, quand même, oh! Non, mais voilà. Et le Tommy Gun, du coup, était appelé parce qu'il y avait ce chargeur camembert, et sinon, après, ça avait été appelé la Thompson durant la Seconde Guerre mondiale. Arme principale des soldats équipés d'armes automatiques. Oui, il n'y avait pas après que des armes automatiques dans la Seconde Guerre mondiale. Le Garand M1, le Lee Enfield et j'en passe étaient des armes semi-automatiques. Du coup, bref, petit point culture sur les armes d'ancien temps refermées. Il y a du monde qui arrive. Ben je vais plutôt garder ma dynamite et l'utiliser pour péter les chars. Au moins, ça me fera une arme contre. Si je me fais pas démonter avant. Oh putain, mais en fait, j'ai plus de balles. Voilà. Voilà. Alors, on va tenter. Toi, bouffe ça. Bim. Oh, c'est dévastateur. J'adore ça. Ça, c'est wholesome. Et ben voilà, là, au moins, je sens que je peux faire quelque chose contre. Ah, ça, ce sont les grosses grenades de tank, mais... Non, c'était un ennemi qui voulait me faire ma fête. Il y a un autre char là-bas, non? J'entends des explosions. Oui! Allez, bouffe ça, GG! Bim! Et voilà qui est fait. Bon. Allez, hop. On répare. Et on est prêt pour la prochaine vague. Non, franchement, qu'est-ce qu'il est beau ce jeu. Il est vraiment ouf. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette caisse? Kezako. Oh! Mais qu'est-ce que c'est ça? Allongez-vous. Bon, ben, on va voir ce que ça donne face aux ennemis. Mais qu'est-ce que c'est, cette connerie? J'ai 3 balles dedans? Qu'est-ce que c'est? On s'allonge. C'est quoi? C'est un sniper à balles? Je ne sais trop quoi. C'est un bazooka, c'est un lance-roquette, vous êtes sérieux? Ah bah je vais le tester sur le char du coup. On va voir ce que ça donne. Voyons la puissance, écoutez-moi ce bruit. Oh, ça a l'air de piquer quand même. Je sais pas si on l'a en réseau cette arme, mais elle a l'air sympa. Et boum! Bon alors. Ah merde! Il a besoin de moi. Ah mais ça y est, c'est fini du coup, putain, il n'y avait plus que ça à péter. Merde! Bon bah je vous ai fait attendre pour rien. Bon, bah du coup voilà, vague repoussée, séance de gameplay char, séance de gameplay versus fighting et légère infiltration. Je pense vous avoir montré le béaba des premières missions du premier arc que nous propose le jeu. Sur ce, du coup, alors, je vais m'arrêter là pour pas plus vous spoiler ce jeu. J'espère du coup que mon test vous aura bien plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et à ciao tout le monde!